Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série. Après South Park, j'avais besoin de changer de style de jeu. On est parti pour une nouvelle aventure sur Red Dead Redemption qui se passe au Far West. On va incarner un cow-boy. Et on est parti pour une nouvelle aventure Red Dead Redemption. Et bah, on va faire créer une nouvelle sauvegarde. Sauvegarde automatique. Qu'est-ce qu'il va dire? Sauvegarde encore. On est parti. On va devenir un cow-boy au Far West. On va faire Exode en Amérique. Je connais absolument pas du tout le jeu. Je ne sais pas comment ça marche. Comme d'habitude, je n'ai pas lu du tout le gameplay. Comment il marche. Je découvre en même temps que vous. Édition spéciale, découvrez les bienfaits du tabac. Ok. Dernière. Et attention, monsieur. La bande de Bill Williamson. Rockstar's Game. Prisons. Blackwater Station. La gare de Blackwater. Red Dead Redemption. Bien dans ma bouche, je dois avouer que je ne suis pas fâché de voir enfin la civilisation arriver dans ces terres sauvages. Il ne peut qu'aller dans votre sens, très cher. Mon cher papa a colonisé ces terres, je sais qu'en haut il nous regarde. Et qu'il est heureux de voir que nous devons aider les indigènes. Ils ont peut-être perdu leur terre, mais ils ont gagné le ticket pour le ciel. Mon père, vous voulez dire que si on ne reçoit pas la communion, on va droit en enfer? C'est pas très juste. Ce que je veux dire, Jenny, il y a une grande différence entre un innocent et un sauvage. Il n'y avait jamais pensé sur cet angle. C'est vrai, ils vivaient comme des animaux, mais ils sont plus heureux maintenant. Et tu parles qu'ils sont morts. Ils sont vachement heureux, ils sont morts. Les hommes ont inventé les automobiles, mon père. Et il paraît que bientôt on pourra aussi voler. Non, seuls les anges peuvent voler, Jenny. Non, non, j'entends dire que les hommes pouvaient voler, vous ne saviez pas? En Kansas, il y a quelqu'un qui a réussi à s'envoler en automobile. Je ne crois pas, Jenny. Un avion, hein? Apparemment, Monsieur Jones veut se présenter au poste de gouverneur. Ce qui explique pourquoi il tient tant à faire le ménage dans tout l'état. Nate Jones? Oui. Sa famille n'est qu'un ramassis de péquenauds venus s'installer après la guerre. Moi de moi l'idée de jouer, mes pères. Oh, ce que je viens de faire. Mais cet état ne donne aucun cas dirigé par une famille aussi répugnante.
Une famille sans élégance. J'ai entendu dire que la famille Jones était très riche, que lui-même avait beaucoup d'amis dans le monde politique. Balance-la par la fenêtre. L'argent ne fait pas tout, Madame Bush. Il y a deux choses ne peuvent être achetées. Il semblerait que les électeurs n'en fassent pas partie. Balance-les hors du train. N'oubliez pas, cher enfant, nous avons été envoyés ici pour répandre la bonne parole. La bonne parole et la civilisation ne sont qu'une seule et même chose, sont des dons de Dieu. Nous avons une chance unique, la possibilité de vivre parmi des hommes raisonnables. Des hommes pacifiques qui nous laissent prier le Seigneur en toute quiétude. Et vachement pacifique. Ah ben, c'est de paix que nous, hein. Je ne sais pas quoi penser, mon père. Parfois, je ne sais même plus la différence entre quoi est. Un acte d'amour et un acte de haine. C'est vrai, ça ressemble tellement parfois. Oui, Jenny, parfois on se sent perdu. Mais tu dois venir me voir si tu as besoin d'aide. N'hésiterai pas. Bien, allez-y, voilà, Madame Bush. Armadillo. Il faut aller au saloon pour vous déplacer. Reste pour regarder autour de vous. D'accord. Comme d'habitude. Ça, c'est pour viser. Pour passer par avatar de terre, oui. Il faut aller au saloon. Attends, je vais quand même vérifier les environs. Il faut qu'on trouve des trucs, hein. Il y a des mâles. Le télégraphe. Je peux sauter. Tout ce que je sais faire. Dégainer, sauter et courir. Pardon me, sir. On peut rien faire encore. Tout seul. Non. Je sais dégainer. Bon, faut aller au saloon. Surface. Est-ce qu'on peut avoir des options de visée, configuration, audio, volume de la musique, faux, avec cocher, non. Voilà, ici. Monsieur Marston, par ici. Vous devez être John Marston. Ça dépend. Moi, c'est Jake. Vos amis de Blackwater m'ont engagé pour vous servir de guide. Ce sont pas mes amis, mais ravi de vous rencontrer, Jake. Je sais les chevaux, ils nous attendent devant. Tu y diègues jusqu'aux chevaux. Trouvez pas de monture aussi robuste dans tout New Austin. Montez sur votre cheval. Vas-y doucement en sortant de la ville, vous soulevez trop de poussière. La compagnie diègue à Fort Mercer. Prenez votre cheval et avancez plus vite, appuyez sur A
Maintenez la voiture, elle maintiendra sa vitesse. Quand tu appuies sur A pour le faire accélérer. Vas-y, si vous les prenez trop, ils se ruent pour vous jeter à terre. Alors, pourquoi il me laisse le dépasser, cet andouille? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Let's go. Hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. Exactement. Pas tout lui parce que j'essaie de trouver la bonne vitesse. Mais... Vous êtes pas très causant, hein? Non. Je dis ça pour causer, juste comme ça, je pense pas mal. Il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir, croyez-moi. Il n'a pas l'air d'un gars de Blackwater. Parce que je n'en suis pas un. Pour être franche, j'aime pas trop ces gars prétentieux de la grande ville. Ah non, vraiment pas. Blackwater n'est pas une grande ville, c'est plutôt un patelin plein de mirages. Mais je suis comme vous. Un type m'a dit en passant à Blackwater il y a quelques mois, il avait vu un de ses nouveaux chariots sans chevaux. Une bagnole, Zabel. Ah non? Ouais, ça se remonte comme une horloge, d'après lui, il n'a jamais vu de pareil en étant sobre. Les temps changent plutôt vite, c'est vrai. Pour y aller personnage et événement important. Not far now, Mr. Marston. The fort's just over this hill. Fort Mercer. Voilà, monsieur. Ça, c'est ce qui reste de Fort Mercer. Un gang a débarqué et on a pris le contrôle. C'est ici que nos chemins se séparent. Amusez-vous bien. Projet de Fort Mercer. Rien ici. Et que dalle. On arrive à Fort Mercer. Bill, montre-toi. Bill Williamson, sors de ton trou tout de suite. Casse-toi, Joan, n'oblige pas de tuer. Personne n'a besoin de tuer qui que ce soit, Bill. Je suis pas né la dernière pluie, tu sais.
Je m'ai toujours pris pour un imbécile. C'est pas juste Bill. T'étais mon frère. C'est juste de t'aider. J'ai l'air d'avoir besoin d'aide. Bill, je t'en prie, ils veulent tous nous tuer, je peux t'aider. T'as jamais essayé de nous sauver avant. T'as toujours pensé qu'à sauver ta peau. Bill, je t'implore d'y réfléchir. Tu m'implores? Tu m'implores? Faut être moins sophistiqué. Mais les choses ont changé, John. C'est moi qui commande maintenant. C'est plus Dutch et c'est plus toi. Il m'implore, moi je t'implore de retourner d'où vient de leur dire. D'envoyer quelqu'un qui a un chouïa plus impressionnant la prochaine fois. Bon, tu cours. Bien. Zut. Pauvre John. Ah bah ouais, mais attends, on est déjà mort, on n'a rien fait. On se fait cow-boy napper. Sauvegarde. La solde du gouvernement. Nouveaux amis, vieux ennuis. Apparemment. Alors comment vous sentez? Je ne sais pas comment le dire poliment. Moi si, bête, c'est le mot qu'on utilise ici. Qu'est-ce que vous faisiez? Quelque chose de stupide! Vous allez vous en remettre? Vu que vous teniez le coup, le médecin dit que vous iriez bien, il a retiré les balles il y a quelques jours. Parfait, ça nous a coûté $15. Je suis désolé, madame. Vous avez dû me laisser mourir. Vous vouliez mourir, c'est ça? C'est ça que vous êtes allé tout droit à Fort-Mercer pour chercher la bagarre au pire bandit du comté? Pour mourir, monsieur Marston, John Marston. Bonnie McFarlane, Miss Bonnie McFarlane. Vous avez peut-être raison, Miss McFarlane. Je n'en sais rien. Alors que faisiez-vous? C'est de laisser une chance à Williamson. Il faut me dire du bon vieux temps. Vous connaissez Bill Williamson? Je le connaissais il y a longtemps. Comment était-il? Stupide, ça n'a pas changé. Un peu comme vous. Merci, Miss. Vous avez vu mon chapeau? Bon, et maintenant? Maintenant, je vais prendre mon temps. Je vais m'occuper de lui bien moins amicalement. Ça m'a l'air passionnant, monsieur Marston. Héroïque, même. Comme dans ce roman Kassou que mon frère aimait lire. Attends, si vous voulez bien un sujet, arrange à faire tourner. Bien sûr, si vous sentez mieux, vous pourriez m'aider à patrouiller le domaine tout à l'heure. Et rembourser une partie de l'argent qu'on a dû payer au docteur. Bien sûr, et merci de m'avoir sauvé la vie. Prochaine fois, monsieur Marston, je recommande vivement d'essayer de ne pas le perdre si facilement. J'essaierai de m'en souvenir. Mais tu m'étonnes. Il n'a pas encore touché la main quasiment, qui est déjà mort lui. Alors,
On contrôle le Gugus. Il faut rejoindre Bonnie. Bonnie est indiquée sur la carte par l'icône bleue. D'accord. Bon, ça fait 20 minutes que la vidéo a commencé, je vais m'arrêter là pour un début, pendant que c'est encore tranquille. Bon, on s'est fait tirer dessus, tout ça, hop, on dégaine. On regaine, bon, j'espère que cette nouvelle série vous plaira, c'est un nouveau style hein, sur la chaîne. On n'a pas encore fait trop des comme ça. J'aime bien les westerns, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre celui-là, parce que GTA... c'est un peu trop violent, alors que la violence dans un western se digère plutôt bien, je trouve. Là, ça, c'était normal, on tire, il y a les Indiens, et voilà, ils scalpent, etc. Donc j'espère que ça vous plaira, et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Ciao, ciao tout le monde!